La première tentative du lapin et du grimaçon. Il était une fois un lapin et un grimaçon qui décidèrent d'aller voler les 7 bébés de la maman araignée. Ils voulaient faire des expériences sur les bébés en leur prenant leur venin magique. Alice se rendit compte que les bébés araignées avaient disparu, elle pleura et s'inquiéta, puis fit alliance avec la maman araignée. Alice décida de préparer un plan pour sauver les bébés araignées et alla chercher une cape d'invisibilité dans un coffre dans la forêt. Pendant ce temps, la maman araignée alla distraire le lapin et le grimaçon pour qu'Alice puisse aller libérer ses bébés. Le lapin et le grimaçon décidèrent de s'injecter le venin des bébés araignées pour avoir des pouvoirs magiques. Mais celui-ci n'a pas eu le temps de faire effet qu'Alice et la maman araignée sont venues les tuer. Mais le lapin et le grimaçon sont-ils vraiment morts ?